Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Allez, comme toujours, les fabricants, les marques, les vendeurs nous proposent de nous envoyer des produits. On leur demande pas d'argent, on fait une vidéo, on vous explique un petit peu comment ça marche et qu'est-ce qu'on en pense. Et on leur demande pas d'argent, donc du coup, on reste intransigeant. Aujourd'hui, un produit Xiaomi. J'adore les produits Xiaomi et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Xiaomi fait, à la base c'était Mui, après ils ont voulu faire des téléphones avec la marque Xiaomi, puis après ils se sont dit, ils avaient tellement une aura incroyable qu'ils ont commencé à faire fabriquer des produits par d'autres marques en mettant leur logo. À la fin, il n'y avait même plus leur logo et simplement ils deviennent revendeurs d'autres marques et ça leur permet de développer un petit peu leur business. Alors on avait déjà testé sur l'autre chaîne ou sur celle-là, vous chercherez aspirateur. L'aspirateur à main Xiaomi, qui était super bien, dont ma copine est totalement fan parce que franchement il est bien et que du coup hop, ça permet de le mettre déposé. Et il existe le même modèle à main. Alors tu peux voir, regarde, tu vois comme ça, il est quand même plutôt petit. Il est pas hyper lourd, c'est pas noté, mais il doit pas être très lourd. Donc c'est un aspirateur sans sac. Alors attends, c'est le bouton on, il faut pas que j'appuie. Ici, voilà, tu l'enlèves. Donc t'as simplement un petit bac là. Tu l'ouvres ici. Tu changes le filtre, là, alors à mon avis, tu peux le nettoyer, ça, hein. C'est une espèce de tissu, machin, bien. Toi, tu peux le mettre là-dedans. Après, t'enlèves là, regarde, hop, ça s'enlève bien. Comme ça, hop, ça, tu peux te faire un petit shaker. Un petit shaker à la poussière et aux bactéries. Voilà, donc là, j'allais épiloguer là-dessus, mais je pense qu'on va arrêter là. Il te donne un deuxième machin, quand celui-là sera vraiment, vraiment cramé, que tu l'auras vraiment nettoyé trop de fois et que tu te rends compte que ça filtre plus rien. Après, t'auras essayé de mettre des chaussettes dedans. Non, mais il est vraiment hyper allergénique, hypoallergénique. Voilà. Donc du coup, le machin, tu le remets là-dedans. C'est bien, parce que tu vois, même à bras tendu, Pépère, il arrive à l'enfermer. Non, en fait, il n'arrive pas à l'enfermer. Il est où le truc? Il est là. Hop, là. Ici, on met comme ça. Là, donc tu mets bien l'écoutille là-dessus. Tac, tu clips, voilà, c'est fini. Donc, c'est assez simple, tu vois, d'une main à distance. Donc là, t'as une petite balayette dessous. Là, pas mal. C'est ce qu'ils nous mettent un petit peu dans le... Attends, je vais te faire l'argumentation du truc. Il y a des... donc il est petit, compact, réduction de bruit. On verra ça tout à l'heure, parce que ça fait quand même un bon petit bruit, quoi. Alors là, donc du coup, tu vas pouvoir respirer meilleur avec ton nez, respirer meilleur avec tes poumons, et t'auras plus les mains toutes rouges, toutes pourries, pleines de plaques et d'acariens, et bien évidemment d'acariennes. Donc là, il y a un filtre anti-UV. Alors, je vous le mets un peu en route. Ben voilà. Bon, donc oui, mais y a pas de c'est midi et demi, ils font pas de chantier là, donc c'est moi qui fais du bruit tout seul. Ça manque. Alors est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Est-ce que... Ouais. Ah ça y est, ouais, regarde. Toi, tu vois bien, regarde, quand tu mets comme ça, là, tu vois bien les LED dessous là, regarde. Ça fait un peu de bruit quand même, hein. Je sais pas si au micro ça va rendre aussi bien, mais ça fait un petit peu de bruit quand même, hein. Alors, pour que tu puisses juger du bruit, on va... Oh la vache! Ah, on a retrouvé un sèche-cheveux pour réparer les téléphones. Son frigo. Voilà. Ce moment agréable était offert par le JT Geek. Alors, je vous rappelle, cette vidéo pour vous sera samedi. Samedi, c'est quoi? C'est faire les courses à Carrefour. En plus, il y a le Beaujolais qui arrive, donc ça serait peut-être temps d'y aller. Et deux, passer l'aspirateur, c'est le week-end. Donc du coup, voilà, j'ai pensé à vous et vous propose ce joli aspirateur Jimmy. Et en plus, chérie, est-ce que t'as passé Jimmy? Jimmy. Donc là, troisième génération, donc là, ça tourne. T'as fâche. Ne mettez pas les doigts, les enfants. Jimmy est un peu vénère. Jimmy est un mangeur de doigts. UV stérilisation, donc bon, ça pour le bronzage, ça sera pas terrible, mais pour tuer les bactéries, ça sera pas mal. Comme on voit, ils disent, pour un aspirateur de table, pour le canapé, même si ça n'est pas très pratique pour être dans les angles, le lit, pour le matelas, parce que si vous faites un peu comme moi, genre vous essayez un peu le truc, nous on a essayé avec l'autre, tu dis, oh, le matelas, bon, t'enlèves le truc, tu vois tous les machins qui ramènent dans le matelas, là, toutes les peaux mortes et tout, ou tous les petits animaux décédés comme ça, là, qui sont tués, écrasés par ton poids pendant que tu dormais. Bon, il y a quand même pas mal, il y a une civilisation à retrouver, là, tu vois, pas besoin d'aller en Antarctique, là, toi, comme ça. Bon, c'est pas mal, et puis pour la bagnole, pour les sièges et tout, c'est pas mal. Donc, stérilisation avec les lampes UV, ça, on a vu. Il y a vraiment des capteurs. Faut voir si on met comme ça. Voilà, regarde. Mieux que bien. Hop, quand tu caches, hop. Les UV. Voilà. Pour mon bronzage, avec mes nouvelles lunettes.
elles sont polarisées, hein, mon pote. Hein. Titanium de carbone, on a fait la vidéo hier, t'as qu'à aller voir. Donc là, bon bah voilà, les acariens. Alors les acariens, c'est les gros, et les acariennes, c'est les petits. Parce que c'est toujours les gros qui enculent les petits. Non, bon, on laisse tomber, c'était pas ça. Donc du coup là, bon là, oh là, je veux dire là, c'est le lit de nettoyer ma maison là, sur M6. 22 cm, c'est une belle taille. C'est conséquent. Avec la roulette. Et ça vibre pas mal. Voilà, donc bon, bah après, si t'es belle et que t'as envie de nettoyer ton canapé, tu peux le faire. Vitruvius spirale sans sac, ça c'est pas mal. Nanana. Silencieux, bon bah Silent Motor. Alors faudrait comparer avec un qui fait du bruit, du coup. Du coup, un qui fait du bruit, c'est. Voilà. Donc c'est pas mal. Là, même le chien, il a pas peur. Bon, faut dire, je pense qu'elle l'a pas branché. On voit bien qu'il se passe rien là. Il tourne pas le truc. C'est pour ça que le chien a pas peur. Sinon, je peux te dire, des chiens courageux comme ça, il y aurait longtemps que il t'aurait mordu. Hein. Voilà, donc là c'est pareil. Nanana, le bac, on a vu que c'était bien. Très bien. Voilà. Donc c'est un produit très sympathique. Encore une fois, c'est un produit Xiaomi. Donc après, on l'a juste demandé parce que c'était un Xiaomi en fait. Ma copine est quand même réellement convaincu de l'aspirateur, et on a le balai électrique aussi, mais on n'a pas fait de vidéo là-dessus, ils ont oublié, donc on a, ça a juste, ça bouge et ça aspire de l'eau, enfin bon, rien d'exceptionnel. Donc Jimmy, 88,68, c'est Banggood qui nous l'a envoyé, vous pouvez trouverez le lien directement chez lui, on l'a vu un tout petit peu moins cher sur AliExpress, mais bon, encore une fois, l'AliExpress vous trouverez moins cher, mais c'est souvent des petits vendeurs et tout, donc après au niveau de la garantie et du service, on peut rien dire. Là, Banggood, on connaît des gens chez eux, Banggood et Gearbest, s'il y a vraiment un problème, vous écrivez, on peut leur écrire en disant voilà, ce client-là, il râle, machin, et souvent, la plupart des personnes qui nous ont écrit, les vendeurs ont trouvé des solutions adéquates et rien que pour eux, parce que c'est un peu le deal, quoi, tu vois. Alors que bon, AliExpress, malheureusement, on les connaît pas et on peut pas leur écrire, et c'est après au bon vouloir. Vous pouvez très bien ne pas avoir de problème, et vous pouvez très bien avoir un chinois qui vous le fait à la chinoise. C'est-à-dire que le mec comprend rien, il va rien comprendre, et voilà, donc après c'est un peu compliqué, après vous l'achèterez bien là où vous voulez, si vous voulez l'acheter. Je trouve que c'est un produit qui est plutôt sympa, alors il faudra que je fasse une vignette, Google veut me voir avec les produits, donc c'est la nouveauté, il faut que vous voyez ma gueule avec le produit, donc je vous ferai une petite vignette sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours, amour et partage, en partageant sur les réseaux sociaux. Si t'as envie de soutenir l'aventure, je vous rappelle, on ne demande pas d'argent à fabricant, on ne vous demande pas d'argent à vous non plus, on vous met même pas de pub au début des vidéos. Par contre, ceux qui veulent soutenir, vous pouvez me payer un café sur Tipeee ici, voilà, comme ça on peut discuter et interagir, et si vous voulez vraiment regarder la pub, le lien Utip est en bas, vous regardez une pub de 30 secondes, et dans ce cas en fait ça nous rapporte à chaque fois que vous regardez une pub, vous en regardez une, deux, trois par jour, et ça nous rapporte un petit peu de sous, comme ça si vous voulez rien faire et vous voulez tout gratuit, c'est bien, si vous voulez dire merci, soutenir l'aventure, vous pouvez mettre un like et regarder une petite vidéo de 30 secondes, ça fait pas un deuxième trou de balle, et nous ça nous permet vraiment de faire évoluer l'aventure et de dire d'être vraiment indépendant et intransigeant. C'est un peu le slogan. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous demain comme toujours pour un prochain produit high-tech smartphone. On a énormément de trucs en déballage, je vous rappelle, le groupe JT Geek, c'est GLG Vidéo et GLG Review. Tu peux t'abonner aux deux chaînes, les liens sont en bas, et c'est 50 vidéos par mois. Donc je veux dire, abonne-toi aux deux chaînes, s'il y a une vidéo qui te plaît, tu la regardes, s'il y a une vidéo qui te plaît pas, tu ne la regardes pas, mais t'es sûr que sur 50 vidéos par mois, il y a bien un truc qui va t'intéresser, et en plus c'est gratuit. Et en plus, tu peux regarder une petite pub de 30 secondes. Paix et prospérité, bonne journée, à demain, allez, kiffez bien, et bon week-end. Hein. N'oubliez pas, Carrefour, le Beaujolais et tout, hein. Je sais que t'as noté. Allez, à demain, bye bye.